Le zen, ce n'est pas une secte. Le zen, ce n'a rien de mystérieux. C'est uniquement une pratique. C'est le retour aux conditions normales. Ça ne veut pas se comprendre par l'intellect, mais il faut le pratiquer. Pour pratiquer, il faut se rendre au centre de Maître Taisen Deshimaru, 46 rue Pernetti, Paris 14e. Et tout renseignement vous seront donnés par l'association Zen d'Europe, téléphone 541 03 55. Le corps et l'esprit sont intimement liés. Donc par exemple, pour exprimer la violence, on va faire comme ça. Pour exprimer la concentration, on fait comme ça. Voilà. C'est tout. Voilà, je travaille comme hôtesse sur l'aéroport Charles de Gaulle. Pourquoi je fais zazen? Il y a plusieurs raisons. Mais enfin, je ne me suis jamais vraiment posé la question consciemment. Pour moi, faire zazen, c'est tout à fait normal. C'est aussi normal que dormir, manger, circuler, travailler. Qu'est-ce que c'est que le zazen? On me demande souvent. Eh bien, le zazen, c'est uniquement une posture. Ça consiste à s'asseoir en lotus ou en demi-lotus, à pousser la terre avec les genoux, à pousser le ciel avec la tête, à rentrer le menton, à tenir bien la colonne vertébrale, et à concentrer le corps et l'esprit. Uniquement penser à la façon dont on est assis. Eh bien, l'importance du rien, aucune importance, mais faire zazen, c'est très important pour le corps et pour l'esprit. J'ai circulé dans beaucoup de sectes, justement par cette soif de vérité, de connaissance, qui m'a toujours animé pendant des années. Ça fait plus de 20 ans que j'essaie de... Puis j'ai toujours été intellectuel, j'ai toujours tourné en rond, c'est ça. Vous comprenez? Psychologue, enseignant, et je viens ici pour la pratique. Pratique d'une religion, pratique d'une philosophie. Et depuis que vous êtes venu dans le dojo, que vous pratiquez vraiment la posture, est-ce que vous trouvez qu'il y a une transformation dans votre quête? Oui, au niveau du physique surtout. J'acquiers beaucoup plus de vitalité, beaucoup plus de force. Moi, je fais du zen depuis 10 ans. Et voilà, le zen, c'est la concentration. Comment se concentrer? Et justement, c'est là le problème. Tout le monde pense comment est-ce qu'on se concentre. Alors, on peut essayer de se concentrer avec son cerveau et tout. C'est très fatigant.
des amours. Voilà les fliquets. Je crois que c'est très important à notre époque de faire zazen pour tout le monde, pour tous les gens fatigués, décentrés, déconcentrés. De faire zazen, c'est essentiel. La bonne pratique. Je suis peintre, ça m'aide énormément dans l'exercice de mon métier, mais ça m'aide aussi quand je conduis ma voiture, quand je fais du bricolage ou quand, même quand je fais la vaisselle. J'essaye au moins d'être toujours ici et maintenant.